Catherine n'a jamais aimé que ses parents et son premier mari, comme on aime à 20 ans son enfant, son petit Jean, tous partis de la peste. Elle aurait tout perdu, son domaine et le reste, remariée à un homme qui a trois fois son âge, pour garder Châteauneuf et ses verts pâturages. Faut dire qu'à cette époque, les femmes n'ont aucun droit que celui de se faire battre, d'obéir et se taire. Elle a connu très jeune le goût de la vengeance. Elle brisera leur en place et prendra sa revanche. Tuera son tortionnaire, crachera sur l'évêché et pleurera son amant, même si ce n'est pas cité. Brûlera sur le bûcher. Je l'ai vu, j'y étais. J'entends encore sa tête cognée sur le pavé, tirée par un cheval fou sur la conciergerie. Jamais je ne